On a les Surtout pistolets, les des mitraillettes. mitraillettes, etc. Les petits coups rapides qui donnent des points Ouais, d'action à tout. les, c'est ça, ouais, l'action, les points d'action. Donc les points d'action, c'est votre mana en fait. Hein, oui, c'est Doubleur. Action Boy, Action Girl. Ça va peut-être ça. Ah non, Et t'as. ouais, Comment ça oui, s'appelle? c'est mon qui dé, donc. Voilà. Dernière chance, ouais. Oh, c'est agilité, donc tu peux piquer des trucs à son adversaire. On peut... Ouais, c'est ça, poser des pièges. Il y a des traits qu'on peut prendre à la fille. D'avoir une chance le dernier, ça c'est magique. Ouais, énormément. Random, ouais, tout ce qui est random. Ça c'est top. Tout ce que les gens aiment dans Hearthstone, les mages. Voilà. Non, c'est bon, j'ai au contraire, tout ce que les gens détestent dans les jeux de cartes, c'est-à-dire tout ce qui est basé sur l'aléatoire, c'est mis dedans. Il est assez bien équilibré dans l'ensemble. Ah oui, bah, franchement, c'est la table de. Gros travail qui a été fait. 9 mois de bêta test. Il y a, donc en plus des couleurs, il y a les compétences et les traits donc vous choisissez en début de partie qui permettent de donner une couleur à votre style de jeu. Exactement. Qui permettent aussi de donner plein de jouabilité. Vous pouvez avoir exactement un même deck avec les différentes compétences et traits de la même manière parfois. C'est un peu obligé d'avancer un petit peu, c'est pour ça que je te speed un peu, mon cher, là, je suis désolé. Mais du coup, donc ça c'est tragique, venez l'essayer. Exceptionnel. Vous pouvez aussi y jouer gratuitement sur Tabletop Simulator, on ne l'oubliera jamais assez. Mais j'avais aussi des questions à te poser à propos de Fallout, de manière générale. Je vais te demander un truc simple, ton top 3, de tes meilleurs Fallout. Alors, ça va faire jaser les gens, le 4. J'ai adoré l'armure assistée, qui pour moi était un personnage à part entière. Ouais. Je l'ai tellement aimé, j'ai fait un mod dessus. Quoi, donc voilà. Le tout premier, parce qu'il est cher à mon cœur, parce que c'est celui avec lequel je me suis rapproché de mon cousin, qui malheureusement est décédé d'un cancer des os. Et c'est ce jeu qui a fait de nous pas des cousins, des amis. Voilà, et ça m'a marqué dans mon cœur. Voilà. C'est beau ça. Et le troisième, bon bah New Vegas, évidemment. C'est New Vegas. Je sais même pas si j'ai besoin d'expliquer pourquoi. Il avait de très bonnes choses. J'aimerais quand même mettre un top 4 parce que. Oui, vas-y, bien sûr. Désolé, je nique ton top 3. Mais ah non, le Fallout 3, parce que quand je suis sorti de l'abri, j'ai eu le cœur qui battait. Je me suis dit, putain, je suis un habitant de l'abri, je sors de l'abri. Je trouvais le jeu magnifique. Alors aujourd'hui, on le regarde, il est dégueulasse. Hein, j'ai l'impression de jouer à Morrowind. Il n'est pas très bien vieilli, mais il y a des modes. On peut même pas viser avec là. C'est vraiment... c'était il y a 20 ans, quoi. Hein. Ouais. On l'oublie vite. Hein. Et pourtant, j'ai adoré la quête pour aller chercher son père, le président John Henry Eden. Ah ça, je m'y attendais pas. C'est vrai. Ah, il était... Donc toi, t'es plutôt l'enfant de la nouvelle génération, disons. Des deux. Je suis capable d'apprécier chaque vision artistique de chaque jeu par rapport à ce qu'elle propose. Même 76, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais. Bon. J'ai compris, mais ça ne veut pas dire que j'ai aimé, mais j'ai compris. Ça marche peut-être pas, surtout. Mais bon, voilà. Je comprends où est-ce qu'ils vont maintenant dans 76. Voilà. Il y a okay. Plus artistique. Voilà. Tu as passé toute ta convention à jouer à Tragic ou est-ce que tu as joué à d'autres plateaux? J'ai aidé des gens à apprendre à jouer à Shelter. Ouais. J'ai appris à jouer à des gens à The Board Game. Tu les connaissais tous ces jeux? Oui. Tous. Le seul que j'ai pas touché, il me fait un peu peur, c'est Wasteland Warfare. Il y a une partie qui va démarrer bientôt. Voilà. Et puis oui, bah Tragic, j'ai montré ça tout le week-end, autant que j'ai pu. Ton top 3 de tes meilleurs jeux de plateau? The Board Game. Premier, évidemment. Hors tragique, The Board Game, parce que c'est le mélange parfait entre un jeu de rôle dans lequel on a une certaine liberté ouais. et un jeu de plateau dans lequel on a des rails. Ouais. Là, c'est tout pile entre les deux. Ouais. On a une liberté qui est énorme, mais en même temps, on sait toujours quoi faire et on va toujours être capable c'est d'être drivé par le jeu. Gens, il y a un petit peu d'aléatoire qui permet de renouveler chaque partie. Il y a beaucoup de quêtes différentes, il y a ouais. beaucoup de scénarios différents. Ouais. Il y a deux extensions. C'est un jeu où tu peux y passer des heures et des heures. Et pour la petite histoire, moi, j'ai modé ce jeu. Voilà, je suis un grand malade. Ouais. J'ai contacté Asmodée pour qu'il m'envoie du matériel supplémentaire pour pouvoir y jouer à 6.
Alors déjà qu'une partie normale, c'est 3 heures. Ça, c'est génial. Mais ça, il nous le faut absolument. On a fait une partie de 12 heures. Tu vas pas donner on a mangé entre-temps, etc. Mais c'était tellement passionnant. Il faut qu'on fasse un autre chose encore tous les deux. Ouais. Mais j'ai une autre question à te poser. Donc ça, c'est board game, bien sûr. Ouais. Tu as aussi, il faut parler du fait que tu as fait la version française sur Tabletop Simulator. Ah, oui, c'est oui, toi oui. qui l'as fait. Toi, oui, oui. C'est incroyable, t'es partout, mon cher Némésis. Je voulais, il fallait que je propose un truc pour que les gens ils puissent jouer en français. On avait essayé, on avait joué ensemble en anglais. La version anglaise. Avec les gens qui galèrent en anglais, je me suis dit, il y avait pas de il fallait que quelqu'un le fasse. Et à un moment, Je n'ai jamais dans un jeu Fallout. Qu'est-ce que t'as jamais fait dans un jeu L'esclavage. C'est vrai. Dans les tout premiers, je sais qu'on pouvait se faire le symbole d'esclavage. Je suis d'alignement loyal neutre. Je ouais. Non, je dirais plutôt bon. Non, même extrêmement bon. Ouais, et généreux et tout ce que tu as fait pour la communauté, c'est absolument incroyable. Ouais. Tu peux pas dire que t'es. Après, peut-être dans les jeux, tu joues un neutre. C'est pas. J'arrive jamais à être une pute. Je n'arrive jamais à jouer quelqu'un complètement mauvais qui. Alors, j'ai essayé des expériences. Par exemple, il y a une manière de jouer dans les Fallout 4, New Vegas, le 3. C'est d'être un psycho. Ouais. C'est-à-dire, on tue tout le monde. Ouais. Mais ça ne marche pas. Tu peux pas profiter de l'économie du jeu. Ouais. Ou alors, tu es obligé de faire des exceptions. Sauf que dès que tu commences à faire des exceptions, tu n'es plus un psycho. Donc. Le jeu n'est pas pensé pour. On va pas avoir le temps de faire les jobs de papa. Je suis désolé, on va devoir zapper ça. Du coup, on va direct sur la. Deux suggestions, peut-être pour la prochaine convention. La communication. Ouais. Moi, j'ai publié personnellement de la publicité sur des groupes Facebook de gens qui me disaient mais j'ai aucune idée qu'il y avait une convention. Et en particulier chez les cosplayers, ce sont eux qui font parler du jeu et qui font parler de la communauté. Je pense qu'il y a un manqué de communication sur ces points spécifiques. La communication Facebook, ouais. Peut-être via des canaux genre peut-être Twitter, même si c'est pas le meilleur des canaux. On s'est pris un peu tard et puis on n'a pas grand monde. Ouais. Occupé. C'est vrai. Ah oui, je sais. Ah, il faut déléguer, mais ça demande de l'énergie. La préparation. Ça demande. L'événement et la logistique. Ça prend suffisamment de temps. C'est clair, c'est clair. Sans arrêt. Il faut trouver des gens. Si vous êtes motivé, des gens, il faut essayer. Mais ça vaut le coup. Ça s'est bien passé. Il y a quand même eu un tweet de Bethesda France. Il y a eu la page Facebook. Fallout France en a parlé. Tout le monde en a parlé. Donc, non, je pense que l'info, en tout cas, des gens sur Facebook, elle est passée. On a touché plusieurs milliers de personnes simplement comme c'était un peu tard et qu'en plus c'est un événement physique les gens étaient un peu frileux. Moi je suis très content. J'en reparlerai bien sûr, mais qu'on soit pas forcément très nombreux pour cette première édition. Moi c'est un petit peu le noyau du jeu. Un peu intimiste, hein. Oui, c'est vrai. Pas que intimiste, je dirais que c'est quand même, franchement on a moi j'ai été même étonné qu'on soit aussi nombreux pour certaines parties. Ouais. Donc c'est chouette. Mais de toute façon, on n'aurait pas pu gérer à trop de personnes. Ouais. En plus, là, on a le noyau dur. Ouais. Voilà, le noyau dur des milliards, des VIP, des gens qui sont vraiment. C'est clair. Qui s'investissent dans la communauté et qui sont là, en plus, avec qui j'ai envie de passer le plus clair de mon temps au sein de ce genre de convention. Donc, moi, ça me fait très, très plaisir. Ah, bah oui, penses-tu. J'ai aussi une dernière question sur si tu devais prendre des responsabilités pour l'année prochaine, qu'est-ce que ce serait Peut-être le wiki. Oui, ça t'étonne, mais je sais pas, c'est juste. Parce que peut-être un petit peu. Déjà parce que moi j'aimerais bien y intégrer une partie sur Tragic. Justement, il y a un projet là-dessus d'intégrer des produits, des projets communautaires, que ce soit des mods comme Fallout et tu. Ouais. Fallout. Je crois qu'il y avait une partie peut-être sur le restauration. Project, ouais, en cours. Voilà. Je vais discuter avec Arnaud. Là, t'es en train de. Ah, pardon. Il y a une nouvelle version du Restauration Project qui va sortir. Et je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de mettre les pieds dedans. Pourquoi pas. Voilà. Ok.
une idée. Mais sinon, après, j'avais essayé de faire plaisir. Quelques designs, par exemple. J'avais, voilà. Ça fait partie des choses. Voilà, je suis un peu multi. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur la chatbox. Je suis désolé, j'ai pas du tout pu répondre. Je te promets aussi qu'on fera une Doc de papa ensemble. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Tiens, je t'offre ton petit sachet. Je sais pas si tu l'as eu toi déjà encore. Non, donc ça, c'est les petits cadeaux, de convention. C'est quoi, c'est de la drogue? Non. Ah, et où le jet? T'es là pour le jet, moi. Et puis du coup, bon, on va donc je te remercie, mon cher. Oui, franchement, merci hein, de m'avoir poussé au cul, de m'avoir fait confiance hein, ouais. Sur ce projet, quand même. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. J'ai l'impression que tu as beaucoup. Ah, tu as mis des responsabilités quand même importantes hein, dans entre mes petites marins. Tu sais que je te serai jamais redevable de tout ce que tu as fait pour ce jeu. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est un jeu officiel, réellement. Ça ne l'est pas dans le monde marchand, mais en tout cas dans le monde associatif, ça l'est. Ouais. Ça, c'est le plus important pour moi. Et franchement, ce jeu-là, il est vraiment au même niveau que tous les jeux professionnels auxquels on a joué ce week-end. Ouais, je pense que c'est pratiquement un des seuls dans lequel on a vraiment fait quasiment des parties, on va dire presque de tournoi, dans lequel on s'est un peu tiré à la bourre et tout. Ouais, parce ouais. que les autres jeux sont beaucoup trop longs. C'est des parties qui durent une heure et demie, donc ça va. Bon, pas, et encore, on peut chronométrer sur celui-là. Donc... C'est moins le cas pour les autres. Ouais. C'est simple, c'est efficace. Tous les jeux qui ont joué pour la première fois, ils ont trouvé ça franchement abordable. Et rien que pour ça, je te vois un respect incroyable. Ouais. Parce que je pense que jamais personne, enfin moi en tout cas, j'aurais jamais été capable de monter un jeu d'une telle qualité en aussi peu de temps, avec voilà, tout ce que ça veut dire au niveau technique aussi, au-delà de la conception du jeu. Et franchement, juste rien que pour ça, magnifique, bravo. Et je pense que tout le monde pourrait t'applaudir. Merci. Ça a été un plaisir partagé. Une petite salve d'applaudissements pour nos amis. Donc bravo encore à toi et merci d'avoir été parmi nous pendant cette convention pour nous présenter ce trajet. C'est un plaisir. Je suis certain qu'on se retrouvera C'est évident, bien sûr. Très bientôt. Je vais te laisser rejoindre les autres et je vais faire une petite transition puisqu'on va passer donc maintenant sur la présentation de Wasteland Warfare. Donc on va sonoriser un peu la table. Je vais donner la parole à Mad Mark. Ouais. Donc